Passeport en main et face aux agents d'enrôlement, le gouverneur de la province du Logone-Oriental, Ahmad Ali Bazine, s'est prêté à l'opération d'enregistrement sur la liste électorale. Saisi des informations personnelles, prises d'empreintes et photos de l'électeur, le tout en quelques minutes, et ça y est, la carte est délivrée sur place. Nous sommes en démocratie. Nous voulons refonder ce pays. La refondation du Tchad, dans la justice, dans l'égalité, dans l'équité. C'est pour ça que chaque citoyen doit sortir comme des faits. Il demande à tous les Tchadiens, toutes les Tchadiennes, les jeunes de 18 ans du Logone oriental, de sortir massivement, s'enrouler et d'aimer, et donner leur voix à Dieu. Une opération tellement fascinante que même le chef de mission de la CONEREC du Logone oriental, Ngarmbatna Laman, a expérimenté l'opération. Mes sentiments sont les mots de satisfaction, le sentiment d'un devoir civique accompli, car voter, c'est un acte d'abord citoyen. Tout citoyen doit avoir sa carte d'électeur. C'est ce qui donne droit au vote. Un homme, un vote. Pour le chef d'équipe, il faut une dizaine de minutes pour enrôler un électeur et lui délivrer sur place sa carte. Le gouverneur de la province du Logone oriental et le chef de mission de la CONEREC ont appelé les acteurs à différents niveaux à une synergie d'action pour la réussite de cette opération. C'est pourquoi, insiste-t-il, chaque citoyen doit avoir sa carte d'électeur pour participer activement aux futures échéances électorales.